Je me suis toujours dit que sur YouTube, je ne ferais pas de vidéo posée chez moi sur une chaise. Avec le contexte actuel, croyez-moi que je ne roule plus autant qu'avant. L'un des moyens pour faire des vidéos sans rouler, c'est forcément la facecam. Bienvenue dans mon bureau. Alors pour moi, il n'y aura pas de grand décor, je veux quelque chose de simple, sobre et j'espère efficace. Est-ce que ça vous plaît? Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler de Rue Rock. Le 26 mars est la date de sortie du nouveau 3.0. Avant que vous vous jetiez dessus, je me devais de faire cette vidéo. J'ai trop kiffé le design du casque. Ils sont vraiment trop beaux les gars. On a presque 2 mois avant de le recevoir. Franchement, il est bruyant. Non, Rue Rock, désolé, je n'y arrive pas, je ne suis pas d'accord avec ça, je peux pas. Parce que j'ai vu que beaucoup d'influenceurs en ont. Il est magnifique. Il est incroyable, au niveau du look, il est incroyable, dans la finition carbone, il est vraiment ouf. Moi aussi, je le veux, frérot. Déjà, rien que son nom, frérot, il te met la pression. Vous avez dû sûrement payer des fortunes pour breveter cette merde-là. Mais stop, vendez-le le brevet, ça sert à rien, vraiment, mettez de la double D, ça vous coûte quoi? Ah, je vous parle franc jeu. C'est un petit tarif, mais par rapport à la qualité du produit et un peu, on va dire, l'exclusivité, ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup quand même. Alors faites-les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas à toi. Bon, on va commencer par le début. Rue Rock, c'est qui, c'est quoi? C'est une marque britannique qui existe depuis 2007, qui était avant tout destinée dans les sports d'hiver. Début 2019, ils se sont lancés dans la moto en lançant le Atlas 1.0. Alors moi-même, j'ai reçu un des premiers exemplaires du casque 1.0, et pour tout vous avouer, j'ai pas beaucoup roulé avec parce que pour moi, le produit n'était pas abouti. Pour le prix qu'il coûtait, c'était vraiment osé de mettre ce genre de truc sur le marché. Entre la fixation visière, les mousses de qualité merdique, la visière qui se ferme pas totalement et qui s'ouvre toute seule, le vent dans les oreilles. Bref, vous pourrez retrouver des vidéos sur YouTube de motovlogueurs qui ont osé rouler avec et qui ont fait un retour. Par contre, je me suis un peu plus attardé sur le 2.0 que j'ai également reçu. Et oui, je fais un retour que maintenant, un an après, juste avant la sortie du 3.0. Mon but, c'est pas de vous dissuader d'acheter ce nouveau casque. Chacun fait comme il veut. Il faut bien se mettre un truc en tête, c'est qu'un casque répond à un besoin qui est propre à chacun. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Et là, je parle surtout niveau du prix. Pour ma part, le 2.0 est trop bruyant. Le champ de vision, lui, est top, mais la démarcation entre la visière et le casque est trop voyante. Le casque est très aéré, trop aéré pour moi. Rouler sur des températures hivernales, franchement, c'est un périple. La tâche rapide, elle, est bien pensée. C'est homologué, donc on doit faire confiance au produit. Par contre, je rejoins Carbon 23, une boucle double D, franchement, ça aurait été mieux. Une petite remarque pour moi qui suis gaucher, manipuler la petite languette pour retirer le casque n'est pas instinctif. Et je vous reparle encore de la fixation visière qui pour moi est encore merdique. On est obligé de désolidariser encore des petits bouts de plastique pour glisser la visière dedans. En gros, vous pouvez pas changer de visière comme ça en 3 secondes. D'ailleurs, j'ai remarqué un petit truc. Sur mon casque, la visière touche le casque, ce qui fait que ça a rayé la visière sur le haut. La fixation de l'intercom qui est derrière le casque, là aussi, c'est une idée de génie. Comment voulez-vous manipuler votre intercom? Déjà, quand quelqu'un a un intercom sur le côté, ce qui est mon cas, je me trompe déjà dans les boutons, alors imaginez aller derrière et manipuler l'intercom. Du coup, mettre entre 350 et 430 euros pour acheter ce genre de casque, sachant que vous pouvez même pas l'essayer parce qu'à ce jour, je connais aucun magasin qui possède cette marque en rayon. Franchement, personnellement, moi, je passe mon chemin. Même si le design est agressif avec des décos vraiment qui sortent de l'ordinaire, pour moi, c'est l'un des seuls points positifs du casque.
Alors attention, je l'ai et je l'utilise quand même de temps en temps pour des courts trajets, 10-15 minutes, mais pas plus. À titre d'exemple, là vous voyez mon Shoei, j'ai réussi à trouver un Shoei NXR pour ma sœur avec un petit kit déco à 250€ en déstockage. Et pour rappel, mes premiers sharks avec lesquels j'ai commencé la moto et ma chaîne YouTube, je les ai payés bien moins cher que ça et j'étais bien plus confortable et ils étaient bien plus insonorisés que Rurock. Le 26 mars sort le 3.0 et visiblement, ils ont apporté pas mal d'améliorations. La doublure dans le casque sera normalement plus confortable. La fixation de la visière sera enfin en une partie, plus aucun bricolage à faire. Cette visière sera crantée, anti-rayures et visiblement anti-buée. Les renforts de joues et menton sont améliorés et brevetés. Le joint de visière étanche, à croire qu'avant il ne l'était pas. Le loquet de la visière sera lui en polycarbonate. Du design sur les aérations est toujours ce système d'ouverture à l'avant pour les prises d'air. Un spoiler avec une antenne Bluetooth intégrée, et en parlant du système Bluetooth, il sera toujours intégré à l'arrière du casque. Et pour finir, on nous promet un meilleur aérodynamisme, donc normalement moins bruyant. Bref, voilà, je vous ai traduit vite fait la communication qu'ils ont effectuée sur YouTube pour annoncer la sortie du nouveau produit. Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle sur cette marque. Elle est présente partout sur les réseaux sociaux, mais à mon sens de manière anormale. Je ne passe pas une journée sans avoir une pub sponsorisée de Rurock dans mes feeds. La stratégie de com est bien menée, il faut qu'on voit le casque, il faut qu'on ait envie de l'acheter. Et là aussi, on va avoir une surprise de dingue, c'est que quand vous commandez, vous avez un délai stratosphérique avant de le recevoir. Quand un produit est toujours en rupture de stock, cela peut entendre que le produit est très bon. Pas de stock, donc tout le monde se l'arrache. Pour moi, cela reste une stratégie commerciale, tout ça pour vendre et vendre et vendre. Leur vidéo teaser sur le 3.0 a fait plus de 1 300 000 vues pour une chaîne YouTube qui possède 21 000 abonnés. Ces vues, au début, je pensais que c'était des vues achetées, mais au final, j'ai remarqué que la vidéo en fait était intégrée sur leur site directement. Donc les vues viennent du site, ce qui veut dire qu'il y a un trafic énorme sur leur site internet. Et pourquoi il y a un trafic énorme sur leur site internet? Grâce à leurs posts sponsorisés. D'ailleurs, on peut voir que la vidéo a peu de likes et peu de commentaires, ce qui prouve que ce ne sont pas des viewers YouTube qui sont venus voir la vidéo, mais bel et bien la vidéo intégrée sur leur site internet. À cela, vous rajoutez des YouTubers pour parler de la marque, rouler avec quotidiennement, afin de montrer au maximum le produit. Ce qui me dérange un peu, moi, après avoir testé le casque, tout en ayant étendu les éloges de certains, je me dis qu'il y a quelque chose de pas net ou de plutôt pas honnête. Certes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur la marque, en bien et en mal. Ils ont tout intérêt à donner des points négatifs, forcément, mais de pas trop en faire. Preuve avec Carbon 23, qui lui a reçu des exemplaires, qui n'était pas rémunéré, a fait une vidéo qui a vraiment dit les vérités sur le casque et depuis il n'a plus aucun contact avec Rurock. C'est comme si moi demain je me mettais à dénigrer Dafimoto. Alors j'ai pas de raison pour le moment de le faire, mais si je le fais, est-ce que vraiment ils reconduiront mon contrat en 2022? Franchement, je pense pas. Et pour finir, sur Instagram, j'ai récolté des avis d'utilisateurs de Rurock. Je vous les mets en annotation là sur la vidéo, je vous laisserai mettre pause pour les lire. Certains sont bons, d'autres moins. Pour ma part, je préfère rajouter 50 balles pour trouver quelque chose de plus qualitatif, certes un peu moins badass. Un Shoei ou un AJC pour ne citer que. Après, certains mettent beaucoup d'argent, genre dans les casques AGV, qui sont reconnus comme bruyants. Par contre, ils sont visiblement très confortables, moi j'en ai jamais essayé, et leur look ne laisse pas indifférent. Et surtout, l'avantage avec les marques que je viens de vous citer, c'est qu'on peut les essayer en magasin. Rurock, pour le moment, non. Je ne connais aucun magasin, aucune chaîne qui possède des Rurock en rayon. Alors ça sera la surprise quand vous recevrez votre casque, la taille, s'il est trop petit, trop grand, il va falloir le renvoyer. Je sais que le SAV répond très rapidement, ils font les échanges, il y a aucun problème. Après cette vidéo, je doute qu'ils me fassent parvenir à 3.0, qui sait. Enfin bref, laissons faire les influenceurs à la sortie du 3.0, moi dans tous les cas j'essaierai de m'en procurer un afin de vous donner mon avis. Et qui sait, peut-être revenir sur certains propos.